J'essaie de sucer le phosphore. Papa, on ne t'a jamais dit que c'est très impoli de parler les doigts dans la bouche comme ça? Mais oui, papa, je sais. Mais là, papa, c'est pas pareil. Mais non, parce que là, papa, j'essaie fort, fort, fort d'apprendre à siffler, papa, comme ça. Oui, papa, tu sais, ça pourrait être très, très, très utile en cas d'incendie. Hein? Oui. Oui, bon, enfin. Oui, bon. Et moi, papa, qu'est-ce que tu fais? Ah, il me pompe! Rien, papa, je ne fais rien. Voilà, bon. Ah bon? Tu ne fais rien? Non. Papa. Papa. Oh. Papa. Oui. On dirait que tu as une petite larme, là, dans le coin de ton œil. Hein? Petite larme? Oui. Dans le coin de mon œil? Oui. Mais non, papa. Mais non, c'est pas possible, papa. Mais non! Ce sont tes postillons, tu sauras. Ah. Oui, qui sortent de ta bouche à chaque fois que tu fais... Ah. Voilà, voilà, c'est ça, c'est tout, c'est tout. C'est ah tout. Bon, parfait. Ah. Papa, oui. Dis-moi, ça ne serait pas plutôt une petite émotion que tu non. aurais là dans le coin de ton œil? Une petite émotion? Mais oui, papa, une petite émotion qui te ferait un petit peu pleurer. Ah. Moi? Moi pleurer, papa? Oui. Mais non, tu sais très bien que je ne pleure jamais. Mais non, non, c'est juste que je suis un peu ému. Mais vraiment, 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 juste un tout petit peu. Hein. Oui, oui, oui. Oui, c'est à cause, tu vois, que je regarde les photos hein, dans l'album de souvenirs de mon grand-père, Isidore Isico. Ah, oui, oui. Et qu'est-ce qui se passe? Tu n'aimes pas les photos qui sont dedans? Mais non, au contraire, papa. Au contraire, je les aime tellement. Ah oui, elles me rappellent tellement mon cher. Mon très cher, mon très, très cher grand-père, Isidore Isigo, qui fut en son temps, papa. Le plus grand, le plus fort, le plus intelligent, le plus extraordinaire chef de gare qui ait jamais existé dans toutes les gares de toutes les villes du monde entier. Wow! Oui, ben, je sais, papa, je sais. Mais regarde, papa, regarde ici. Oh! Regarde comme mon grand-père, Isidore Isigo, était beau dans son magnifique costume de chef de gare. Oh. Et regarde comme il avait fière allure avec son képi sur la tête. Regarde. Quoi, papa? Ton grand-père, Isidore Isigo, il portait un tapis sur la tête? Mais non, papa, pas un tapis, un képi. Oui, c'est une sorte de casquette. Oui. Maestro, s'il te plaît. Montre-lui mon fier grand-père. Ah, oui. Hein? S'il te plaît, maestro. Ah, oui, un képi, d'accord. Et, oh, papa, c'est vrai qu'il avait fière allure, ton grand-père Isidore Isigo, dans son bel uniforme de chef de gare. Ah oui, et papa, tu me reconnais, là? Juste là, oh, tu vois? C'est toi, ça, papa? Et oui, c'est moi, papa, oui, avec grand-père sur le quai de la gare. Ah oui! Ah, tu portais déjà un joli casque de pompier. Ah oui, papa, ah oui. Oui, c'était son cadeau d'anniversaire pour moi, oui. Oh. Je l'ai conservé, papa. Ah oui? Ah oui, il est au grenier, dans une grande boîte, avec l'uniforme de chef de gare de mon grand-père, Isidore Isigo. Oh! Ah, papa, oui. Comme tu étais petit! Oui. Ah, papa, ça me rappelle! Oh.
Ne pleure pas comme ça, tu n'es plus petit aujourd'hui, Pompon, ça va bien. Maintenant, tu es grand, Pompon, maintenant, aujourd'hui. Non, Pompon, tu es très grand, maintenant. On pleure pas quand on est grand. Pompon, tu es tellement grand. Regarde, Pompon. Sur la photo, tu étais petit comme ça. Et aujourd'hui, tu es grand comme ça, Pompon. Et je ne compte pas quand tu portes ton casque de pompier sur la tête, hein. Et pour conduire le camion, tu sais. Et ni, Pompon, ni quand tu es dans la grande échelle. Parce que là, Pompon, là, tu es encore beaucoup, extrêmement beaucoup plus grand, Pompon. C'est gentil, mon petit papa. Bon, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est l'émotion, tu comprends? C'est l'émotion, oui. C'est les beaux souvenirs. Oui. C'est la joie, tu comprends? C'est tout ça. C'est tout ça. Non, papa, c'est tout ça. Oh non, Pompon, tu ne peux pas recommencer à pleurer. Pompon, calme-toi. Les papillons vont arriver et toute la tristesse va disparaître. Non, mais je ne pleure pas vraiment, papa. Non, je ne pleure pas vraiment. Ah non. Non. Pas vraiment. Mais non, je suis fou de joie, papa. Je suis fou de joie. Je suis fou de joie. Oh, papa, je suis fou de joie. Allez. La sucus dans la boubouche de mon papa. Allez. Mais c'est pas une sucus, ça. Mais nous, c'est un sifflet. Les papillons sifflent. Prête-moi ton sifflet. Tu vas m'arrêter, s'il te plaît. Prête-moi, grand-père. Papa, ça suffit, papa. Oui, chef. Papa, ce sifflet est très précieux, papa. C'est avec ce sifflet que grand-père Isidore Isigo, n'est-ce pas, annonçait le départ et l'arrivée des trains. Oui. Alors ça suffit, papa. Et quand Pompon dit ça suffit... Les Pompinots. Ah, les Pompinots. Qu'est-ce que je disais déjà, papa? Et tu disais... Les Pompinots. Non, avant. Ah, avant, tu as sifflé dans le sifflet de ton grand-père, et tu as dit... Et quand papa dit ça, c'est fait. C'est ça, papa. Mais tu as une très bonne mémoire. Félicitations. Alors, je disais... Et quand papa dit ça suffit, ça suffit. Oui, chef. Voilà, je l'ai dit. Oui. Bon, alors maintenant, allons cueillir les Pompinots. Oui, papa. Tu viens, papa. Allez, j'arrive tout de suite, papa. Tu as vu le beau sifflet du grand-père Isidore Isigo. Oh, j'aimerais tellement que Pompon me le prête, son sifflet. Excuse-moi, Pompinot. Oui, c'est pour apprendre à siffler. Oh, j'aimerais tellement ça, apprendre à siffler, comme ça. Bonjour, Pénélope. Olivier, on est bon à la rame. Olivier, je veux... Oh, oui, bonjour, Olivier. Et Albert. Bienvenue à Pimpanville, mes chers Pompinot. Alors, dites-moi très fort, c'est quoi le mot de passe? Oui, formidable, merveilleux, exceptionnel. Ils ont deviné, mais dites-moi ça encore une fois. Oh, Albert, t'es un drôle de pimpon. Ah, mes chers beaux Pompinots, voulez-vous que je vous montre comment je siffle bien? Ah, hein, attention, les Pompinots, au postillon de Pimpin, là. C'est pas encore tout à fait au point, mais j'y travaille. Ah ouais, j'y travaille. Oui, tu y mets beaucoup de salive, papa. Je veux dire, beaucoup de cœur, bien sûr. Oui, merci, papa. Allons, mes amis, c'est parti. On se met en route et on se met en roi derrière Pimpin. Allez, musique. On y va. Trois pas de géant. Allez, on y va. Deux pas d'éléphant. Mais les éléphants. Un pas de parapluie. On tourne. Les souris. 10 petits pas de souris. Par ici, les souris. Doucement, on monte l'escalier. Bien, Laura. On monte l'escalier. Hop, pas de papa. On glisse sur le mât. Vas-y, Albert. On tombe dans les bras. Oh là là. De Pompon, tu attends en bas. Oh, et maintenant, mes chers Pompinots, vous êtes maintenant les amis des pompiers de Pimponville. Oui. Ah oui, papa, c'est les amis. Et les amis de Pimponville reçoivent officiellement leur casque de pompier. Mais bien sûr, papa. Alors, papa, un casque pour Laura. Bravo, Laura. Un casque pour Pénélope. Oh oui, Pénélope. Un casque pour Albert. Et voilà, Albert. Et un casque pour Olivier. Et voilà pour Olivier. Et on s'applaudit, les Pompinots. Toi, est-ce que tu connais le mot des amis de Pimpin Pompon, hein? Le mot de passe? Pimpon. Non, Pimpon.
Pimpin. J'ai demandé aux amis, pas à toi. Oui, 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 encore une fois, encore une fois, encore une fois. Oui, bravo! Et maintenant, mes très chers, 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 chers Pompineaux, seulement et seulement pour toi, un bonjour tout spécial de notre Dalmatien! Oui, c'est ça, mais on sait pas où il est, papa. Où il est, papa? Papa, nous t'attendons. Tu arrives ou quoi, là? Oui, oui, papa, j'arrive tout de suite. Ce ne sera pas long, je suis au grenier. Oh, j'arrive tout de suite, j'arrive tout de suite. Au grenier? Vous avez entendu les... Qu'est-ce qu'il a dit au grenier? Oui. Je me demande bien qu'est-ce qu'il peut bien faire au grenier, ce papa. Ah! Oh là là! Mais... Papa, mais qu'est-ce qui t'arrive, papa? Papa! Qu'est-ce qui... Oh non! Ah, tu ne dis pas que t'es tombé dans l'escalier maintenant? Oh, mais papa, papa, je t'ai dit 100 fois, il faut toujours poser sa main sur la rampe de l'escalier. Je sais, papa, je sais. Oh, n'est-ce pas, les Pompineaux? Hein, Olivier, n'est-ce pas? Il faut toujours bien poser sa main sur la rampe de l'escalier, que l'on monte ou que l'on descende. Un escalier, n'est-ce pas? C'est important de toujours mettre la main sur... Oui. Sinon, on peut tomber dans les marches, parce que sinon, quand moi, je me revirais en l'envers, je tombais dans... Et t'es tombé dans l'escalier, tu vois, papa? Ça t'est déjà arrivé de tomber. Mais tu comprends, je vais t'expliquer, Olivier, c'est que moi, je ne pouvais pas tenir la rampe de l'escalier. Mais non, papa, parce que je tenais cette grosse boîte dans mes mains. C'est pour ça. Mais justement, écoute, regarde, Olivier, tu as tellement raison, Olivier. Écoute, Olivier, papa, oui, tu vois, regarde ce que tu as l'air, là. Je ne t'es pas fait mal, j'espère? Non. Bon, alors, je vais prendre ta boîte, merci, je vais t'aider. Merci beaucoup, papa. Mais c'est la boîte. C'est la boîte où se trouve l'uniforme de mon grand-père. L'uniforme de chef de garde de mon grand-père Isidore Isigo, ça. Mais oui, papa, c'est ça. C'est ça, les Pompineaux, que je suis allé chercher au grenier. Mais oui, papa, je me suis dit qu'avec les Pompineaux, oui, on pourrait jouer au chef de garde. Oh, mais mon grand-père, Isidore Isigo, c'était tout un chef de gare. Oui. Oh, plus grand, plus fort, plus intelligent, le plus extraordinaire chef de gare qui ait jamais existé dans toutes les gares, de toutes les villes, de tout le monde entier. Ah, oh, il en a vu passer des milliers de trains. Hein? Mais papa, tu as bien dit, jouer au chef de gare. Mais oui, papa. Toi, papa, toi, tu mettrais l'uniforme de chef de garde de ton grand-père Isidore Isigo. Oui. Hein? Et nous, les Pompineaux et moi, nous jurions à être les voyageurs qui montent dans le train et qui t'envoient la main, papa. Ah, oh, papa, ce serait tellement amusant. Hein, papa, dis oui. Je mettrais l'uniforme de mon grand-père. C'est pas, papa. J'hésite, papa. Puis-je? Mais oui, papa, tu puis-je. Oui, mais papa. Serais-je au moins à la hauteur? Mais papa, comment peux-tu dire une chose pareille? Bien sûr que tu serais-je à la hauteur, papa. Tu as tellement grandi depuis que tu étais petit. Oh. Papa, s'il te plaît, dis oui, s'il te plaît. Papa, tu ne peux pas toujours dire non. C'est pas bon pour la santé. Hein? Tu crois? Sûr, papa. Sûr. C'est pas bon, hein, Albert? Non, je suis sûr comme un citron, papa. Pas bon pour la santé. Sûr comme un citron, mais il est sûr comme un citron. Alors, si papa est sûr comme un citron, je veux bien. Ah, il veut bien. Alors, les Pompineaux, vous vous préparez pendant que moi, je vais revêtir l'uniforme de mon grand-papa. Wow! Pompon! Que tu es beau dans ton bel uniforme de chef de garde! Je sais, papa, je sais. Hein, n'est-ce pas, les Pompineaux, que Pompon a l'air d'un vrai chef de garde? J'ai l'air d'un vrai chef de garde, les Pompineaux, n'est-ce pas? Hein? Trouvez-vous? Oui, je suis. Bon, alors, tout le monde est prêt pour le départ? Ah, oui, nous sommes prêts, chef Pompon, regardez. Nous avons... chef de garde, pardon. Oui. Nous avons nos valises, tout ça, prêts pour le voyage. Et puis, moi, j'ai même mon appareil photo. Ah oui? Oui. Monsieur voyageur. Oui. Je peux voir vos billets? Les billets. Mais où est-ce que j'ai mis les billets? Mais oui, c'est vrai, ça prend des billets. Avez-vous vu les billets? Ces voyageurs sont tous les mêmes. Oui. Vous permettez, monsieur voyageur?
Et voilà. Oh. Un bon chef de gare, c'est toujours retrouver les billets égarés des voyageurs. Petite vérification de routine. Allez-y, allez-y. Je vois que tout est en ordre. Uh-huh. Oh, 5 billets aller-retour pour la caserne de Pimponville. Oh, oui. Oh, excellente destination. Vous allez sûrement faire un excellent voyage. Oh, merci, merci beaucoup, oui. Monsieur le chef de gare. Le train est en gare. Oui, oui. Veuillez, s'il vous plaît, monter à bord. Oui, le départ se fera dans quelques secondes. Nous montons à bord. Mais, chef de gare, où est la portière du wagon? Mais il est ici, mon cher monsieur. Juste devant Olivier. Et voilà. Montez dans le train. Tout le monde à bord. Tout le monde à bord. Viens. Dans les... Ah oui, on se met en rang. Voilà. Alors attention, vous attendez mon signal. Oui. C'est un départ. Allons-y. Au revoir. On envoie la main. Bon voyage. Oh, c'est mon grand-père qui serait fier de me voir dans son bel uniforme de chef de gare. Oh, grand-papa. Qui chantera pour nous aujourd'hui? Oh, bonjour, je m'appelle Léonard et je suis chef de gare. Ah, vous êtes chef de gare? Oh, mais vous avez peut-être connu mon grand-père. Ah oui, qui fut à l'époque, n'est-ce pas, le plus grand chef de gare que le monde ait connu. Vous voulez parler d'Isidore Isigo? Ah, vous avez connu mon grand-père Isidore Isigo? Mais non, mais à la gare où je travaille, on en parle constamment. Oh. Isidore Isigo par-ci, Isidore Isigo par-là. C'est pas mêlant, j'ai l'impression de le connaître. Non, mon cher Léonard, j'aimerais vous faire une petite confidence. Vous voyez l'uniforme que je porte en ce moment? Oui. Eh bien, devinez à qui il a appartenu. Non. Oui! Non! Oui! Mais oui, Léonard! C'est l'uniforme du grand-père Isidore Isigo! Oui, il était au grenier dans une grosse boîte et moi je suis allé le chercher et je suis un peu tombé dans l'escalier. Mais là, ça va, papa! Et j'ai fait ma demande! Non, papa, ça va, papa! Papa, ça suffit! Allez, va t'asseoir avec tes pompinois, tu vas être très fatigué après le long voyage que tu as fait, oui, c'est ça! Bon, dites-moi, mon cher Léonard, alors comme ça, vous travaillez vous aussi dans les chemins de fer? Eh oui, comme je vous vois! Et je suis venu aujourd'hui vous interpréter une petite chanson du chef de gare. Vous venez nous chanter la chanson du chef de gare? Non! Oui! Non! Mais oui! Mais c'est merveilleux! Oh, vous permettez que je vous présente à nos pompinos? Mais faites, cher ami, faites! Oui, très bien. Alors, mes chers pompinos grands voyageurs, j'aimerais vous présenter Léonard, qui vient nous chanter la chanson du chef de gare. Et on l'accueille très fort et on l'applaudit! Maestro, musique! Chou-chou-chou! C'est pas par hasard si dans ma gare pas un seul train n'est en retard. Chou-chou-chou! C'est moi Léonard qui réglait les parts. C'est moi Léonard et je suis chef de gare. Chou-chou-chou! Déjà la nuit, quand j'étais petit, je me changeais en locomotive. Et que mon lit jusqu'au matin tirait sans fin des wagons pleins de friandises. Chou, chou, chou. Mais un beau jour, mon père m'a dit: mon Léonard, oh Léonard, écoute-moi bien, faut que je te dise, tu ne seras jamais une locomotive. Sur le coup, ça m'a fait un drôle de frisbee. Mais devenu grand, je me suis dit: mon Léonard, c'est pas mal, hein? Tu seras chef de gare. Tchou, tchou, tchou. C'est pas par hasard si dans ma gare pas un seul train n'est en retard. Chou-chou-chou! Allez les amis, on fait chou-chou-chou! C'est moi Léonard qui règle les départs. C'est moi Léonard et je suis chef de gare. Chou-chou-chou! Même aujourd'hui, quand je rêve la nuit, je me change encore en locomotive. Et que mon lit jusqu'au matin n'est une gare d'où je repars. Permettez-moi, comment vous dire,
quand sur le quai de gare, je crie bien fort. Tout le monde à bord! Mon cœur fait rouge et je deviens tout triste. C'est pas facile de dire au revoir à ses amis. Mais ils sont partis, alors bon, je me dis, mon Léonard, reprends sur toi. Tu es chef de gare, tchou, tchou, tchou. C'est pas par hasard si dans ma gare, pas un seul train n'est en retard. Tchou, tchou, tchou. C'est moi, Léonard, qui règle les départs. C'est moi, Léonard, et je suis chef de gare. Chou, 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 chou. Oh, ouais, bravo, 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 bravo. Alors les Pompinos, aujourd'hui, on fait des billets de train. Comme ça? Oui, parce qu'on va prendre le train, vous savez. Je suis le chef de car, alors ça prend un billet de train pour venir à bord. Alors je vais te montrer ce que ça nous prend, n'est-ce pas, pour faire un billet de train. Alors je te montre. Il y a de la peinture, comme tu vois. Ça nous prend de la peinture. Ensuite, il y a des crayons. Tu prends des crayons. On peut utiliser de la colle, tu vois, en tube, comme ça, en bâton. Et tu peux découper, tu vois, des images dans les revues, comme ça. Et oui, oui. Et si tu... Ah, regarde ici. Ça, c'est pour faire un imprimé, tu vois. Alors, tu prends une assiette en styromousse. Et là, avec un crayon à bout rond, hein, tu peux dessiner ce que tu veux. Et là, tu pèses très fort, tu vois, pour faire des belles grosses marques au fond de l'assiette. Et là, après ça, tu mets de la peinture à l'intérieur de ça. Et là, tu colles un petit carton, comme ça. Et là, il va te sortir un imprimé. Mais là, j'ai pas mis de peinture dedans. Là, c'est juste pour te montrer, tu vois. Mais je vais te montrer aussi à faire autre chose. Alors, tu prends un petit carton. Et là, même avec un poinçon, tu peux faire des petits trous tout autour. Boum, boum, boum. Et comme ça, ça aura l'air d'un vrai billet de train. Et là, ce que tu peux faire, tu peux soit l'imprimer, hein, ou tu peux aussi coller des images, comme on fait ici, on colle, on peinture, tout ça. Alors, tu peux coller une image. Ensuite, tu peux dessiner avec un crayon ce que tu veux. Tu peux écrire des chiffres. Tu peux dessiner des bonhommes, des animaux, ce que tu veux. Tu te sers de ton imagination, mon cher Pompinou. attends. Ah, Pompon, oui. L'avion d'Albert est tombé. L'avion d'Albert oui, est tombé. Parce que Albert, lui, il fait du collage. Ah oui? Oui, et nous, on fait de l'impression, regarde. Oui, moi, j'ai fait ce billet-là. Oh, mais c'est tu beau, vois? Papa. Regarde mon billet. Oh, c'est un billet que je peux donner à mon papa, à ma maman ou à mon grand-papa pour qu'il me fasse monter dans sa voiture. Oui, il sera content. Oui, pour faire un petit voyage. Un petit voyage. Tu viens, mon Albert? Viens, tu peux coller ton avion ici sur ton billet. Ah, oui, nous, ici, on est prêts à faire de l'impression. Est-ce que tu veux Allez, que vas-y, tu veux Olivier. Coller ton carton? Attends. T'as pas encore fini. Bon, vas-y. Ouf, ça va être un beau billet rouge. Oh là 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 là. Alors, moi, va le chercher. OK, va le chercher. Ah, moi, je vais faire du collage maintenant. Oui. Alors, viens. Attends, mais on va l'imprimer. Regarde, tu vas voir. Ça va être joli, 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 joli. Attends, on imprime. Tu veux pas qu'on imprime? Non, alors. On imprime. Tu veux l'autre couleur? Viens, Olivier, on va imprimer. Allez. Le rouge. Vas-y. On peut avoir le rouge. Vas-y, imprime. Allez, on pousse. Attends, bien je vais te le donner. Ah, oui. Alors, mes Pompinous, oh, wow. Quand tu vas pouvoir jouer à monter dans le train et tu vas pouvoir montrer ton billet de train au chef de gare. C'est très important. Ah, ah, ah! Attention, mes Pompinous, vous êtes prêts à danser le cha-cha-cha chou-chou-chou? Hein? Oui? Ah oui, on mais est prêts. Papa, qu'est-ce que tu fais, papa? Mais papa, on va se pratiquer à danser la samba et à courir comme un train. Ah oui? Comme ça? Oui, pour la chanson des cha-cha-cha chou-chou-chou. Mais je vais le faire, je vais le faire. Parfait, là, oui, je vais le faire. Tiens, Pompon, je te remets le maracas. Allons-y, les Pompinous! Maestro de musique! Oui! Allez-y, vous pouvez faire le train. Allez, on fait le train. Que font les petits trains? Quand ils vont bien, ils font cha-cha-cha, chou-chou-chou. Cha-cha-cha, chou-chou-chou. Que disent les petits trains quand ils vont bien? Ils disent cha-cha-cha, chou-chou-chou. Cha-cha-cha, chou-chou-chou. Où vont les petits trains quand ils vont bien? Ils vont cha-cha-cha, chou-chou-chou. Cha-cha-cha, chou-chou-chou. Ils vont. Au bout du monde, cha-cha-chou-chou. Ah! Allons-y!
aussi les petits trains, ouais. Ah oui, mais ah oui, c'est très fatigant faire le petit train. Et quand le petit train est fatigué, eh bien, il va faire un petit roupillon. Chut, il ne faut pas dire à papa. Chut. Ah, ah, bravo, mes petits trains. On a bien fait le train. Qu'est-ce qu'il y a, Olivier? Tu entends quelque chose? Oh, mais qu'est-ce qu'on entend? Mais oui, les popinots, c'est comme si... C'est comme s'il y avait un gros ours dans la caserne qui aurait avalé un sifflet et qui dort en ronflant. Attends, attends. C'est lui? C'est lui? Oh non, moi, je suis certain parce que mon petit Jacopo, il fait pas ça. C'est lui? C'est Pompon! Les popinots, venez avec moi. On part tous à la recherche de Pompon. Viens avec nous. Venez, venez, mes petits pompinots d'amour. Oh, mais oui, vous aviez raison, il est là. Oh, oh, regardez, il a le sifflet d'Isidore et Isigo dans sa bouche. Oh, je vais essayer de le prendre. Hein? Ça va être une bonne idée. Ah, 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 attends, attends. Oh, non, papa, tu pourrais au moins me laisser siffler quand tu dors. Pénélope, t'as une super bonne idée. Mais oui, les pompinots, on va réveiller Pompon en sifflant nous-mêmes. Hein? On se prépare à siffler? Attention! 1, 2, 3! Au feu! Au feu! Il y a le feu! Mais non, papa, il n'y a pas le feu! Mais non, Pompon, c'est les Pompinots et moi qui t'avons réveillé! Ah. Oui, parce qu'on a sifflé, Pompon! J'ai réussi! Oui. J'ai réussi, Pompon! Ah, regarde! Oui. Regarde bien! J'écoute, papa! Regarde! Oh non! J'y arrive plus! Pauvre petit papa, mais ce n'est pas grave, papa. Tu sais, tu as toute la vie pour apprendre à siffler. Ah, c'est vrai. Mais là, on n'a pas toute la vie pour faire un tour de camion. Oh. C'est l'heure du tour de camion. Léonard, appartenons les casques. Ouais. C'est le départ! Allez hop! Pompino! Papa! Pompon! Et moi, Albert! Allez hop! Pompino! Papa! Pompon! Allez hop! Allez hop! Allez hop! Allez hop! Allez hop, tout le monde dans le camion! Allez hop, tout le monde dans le camion! On y va! Le temps de crier Pompon! Et nous serons rendus! Le temps de crier Pompon! Et nous serons revenus! Pour une autre émission de Pompon! Ouais, ils m'ont trouvé! Pimpon, 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 pimp
fait excellent. Ce xylophone joue comme un œuf. C'est papa. Il prépare une surprise. J'adore les surprises. Mais je me demande ce que c'est, hein. Ça y est, papa. Tu peux venir voir mon invention. C'est terminé. Oh. Oh. Mais c'est fantastique! Oh. C'est toi qui as fait ça, mon petit papa? Oui! Oh! Mais c'est mirobolant! Oh. C'est extraordinaire! Qu'est-ce que c'est? Chef Papa, voici la porte du rêve! Oh. La porte du rêve! Oh. Mais dis-moi, mon petit papa, comment ça fonctionne? Parce que moi, ce que je vois là, c'est une porte sans porte. Ah, mais c'est très facile, papa. Tu n'as qu'à la traverser et hop, tu te transformes en quelque chose qui te fait rêver. Oh, mais moi, j'ai toujours rêvé d'être un astronaute qui va sur la Lune. Alors, tu veux dire que... Mais oui, papa. Si je traverse cette porte, je vais devenir un astronaute. J'ai bien envie d'essayer tout de suite, papa. Ah oui, mon chef, à toi l'honneur. Bon, très bien. Tu seras le premier voyageur de mon invention. C'est sûr que je n'étais pas dangereux. Mignon, papa. Tout est dans ton imagination. Ah! Alors j'y vais. Je vais me transformer en pompier astronaute. J'y vais. Vas-y, chef. Bon, attention. Mais qu'est-ce qui m'arrive là, papa? Je ne peux pas passer dans cette porte. Tu l'as fait beaucoup trop petite. Attends, papa, je vais te l'aider. Par ici. Oh oui! Oh oui! Non, papa, ça fonctionne pas. Non, allez, de l'autre côté. Ah, ouais, voilà, vas-y. De l'autre côté, viens ici, papa. Mais ça va fonctionner comme ça? Ah oui, ça va être parfait comme bon, ça. Attends. Vas-y, mon papa. Tiens. Oh oui. Mais non. Espèce de cornichon. Mais non, mais ça fonctionne pas. Je suis coincé. Papa, sors-moi de là, les pompinos arrivent. Allez. Oui, papa, allez. Attends. Ne t'inquiète pas, papa, je vais tout arranger. Donne-moi ta main. Oui. Par ici, papa. Non. Oh, espèce de cornichon farceur. Allez, je ne veux pas que les pompinos voient leur chef de pompier déguisé en porte du rêve, papa. Allez. Oui, attends, papa, donne-moi ta main. Viens, papa. Mais c'est bientôt fini, ce cauchemar. J'aurais dû me méfier. Il me pompe. Papa, ne te fâche pas comme ça, papa. Tu pourras bientôt devenir un astronaute. Je ne veux plus être un astronaute, papa. Je veux sortir de là et c'est un ordre. Oui, tout de suite, chef. Les pompinos, vite. Il faut que je me creuse le coco. Ah, le bâton. Papa, où es-tu, papa? Papa, où es-tu, papa? Ne bouge pas, papa, je vais t'arranger ça. Mon dos, je savais que cette invention ne fonctionnerait pas. Les pompinos, j'arrive. Oh, les popinons. Je crois que Pompon est un peu fâché contre moi, oui. Mais, vous allez voir, je vais lui montrer que ça fonctionne, mon invention. Et il va être très, très, très content. Oh, il faut que j'aille accueillir les popinons. Je reviens. Aïe. Oh, excuse-moi, Popinou. Oh, les popinons. Bonjour, Roxane. Oui, Roxane. Bienvenue, oh, ma petite amie. Et Théo. Bonjour, Théo. Oui, Théo. Oh, oh. Bienvenue à Pimponville. Alors, dites-moi, les pompinos, dites-moi très, très fort, c'est quoi le mot de passe? Oh, oui, formidable, merveilleux, exceptionnel, ils ont deviné. Alors, dites-moi ça une autre fois, les pompinos.
Mes chers chercheurs Pompignou! Alors, papa, c'est vraiment vrai, ils sont là pour vrai. Je ne rêve pas. Mais bien sûr qu'ils sont là, espèce de cornichon. Oh, bonjour, mes beaux petits Pompignou. Alors, c'est vraiment vrai, vous êtes venus essayer mon invention? Ah non! Non, ce n'est pas une bonne idée du tout d'essayer ton invention, papa. Les Pompignous sont là pour jouer avec nous. Ah, oui. Allons, mes amis, c'est parti. On se met en route et on se met en rang derrière papa. Maestro, musique. On y va. Trois pas de géants. Allez, les géants. Par ici, les géants. Deux pas d'éléphant. Éléphant. Oh, oh. Un pas de parapluie. On tourne. On tourne. Ah oui, ah oui. Oh, les souris, les souris. Dix petits pas de souris. Par ici, mes belles souris. Oh oui, oui, oui. Oh, les belles souris, papa. On monte l'escalier. Attention, allez, on monte l'escalier. On glisse sur le mât. On tombe dans les bras. Oh, voilà. Voilà un seul. Le pompon qui attend en bas. Oh, voilà un seul. Et maintenant, mes chers pompignons, vous êtes maintenant les amis des pompiers de Pimponville. Et chaque ami des pompiers de Pimponville reçoit officiellement son magnifique casque de pompier. Ah oui, oui, oui. Alors, papa, un casque pour Théo. Bravo, Théo. Un casque pour Camille. Bravo, Camille. Un casque pour Rachel. Bravo, Rachel. Et un casque pour Roxane. Bravo, on s'applaudit. Toi, mon cher Pompino, dis-moi, c'est quoi le mot de passe? Non, papa, tchut. Oui, c'est ça, bravo! Et maintenant, un bonjour tout spécial de notre Dalmatien! Oh, les popignons! Pompon, il dit que mon invention ne fonctionne pas. Mais c'est pas vrai! Non! Elle fonctionne, mon invention, hein, les popignons? Ouais. Oui, parce que c'est très simple. Pour se servir de mon invention, il faut juste se servir de... De son cerveau, mais de son... imagination, c'est ça! C'est très simple, mon Pompino. Oh, j'ai une idée. Vous savez ce qu'on va faire? On va montrer à Pompon que mon invention fonctionne et vous allez m'aider. Voulez-vous m'aider? Oui. Oui? Je vous entends pas, là? Oui! Ouais! Yuppie! Ouais! Alors, quand Pompon va revenir de ses exercices, parce que là, il est allé s'exercer un petit peu, alors nous, on va se transformer... en éléphant. Oui, on va se transformer en éléphant devant ses yeux. Et là, il va voir qu'elle fonctionne. Ah! Les Pompinos, je vais vous montrer d'abord comment fonctionne ma porte magique. D'accord? D'accord? Yeah. Alors, je me place derrière la porte comme ça. Oui, vas-y. Mais tu vas passer là, tu vas te transformer en quelque chose. En quoi je vais me transformer? Dis-moi ça. À la chose que tu dis. D'accord. Alors, quand je vais passer par la porte, je vais me transformer en la chose que j'ai dit avant. Alors, avant, maintenant je suis avant, je dis que je vais me transformer en éléphant. Alors, je passe par la porte, on va voir si Théo a raison. T'avais raison, Théo! Je me suis transformé en éléphant. Et en repassant par la porte, eh bien, je suis redevenu un papa. Alors, vous allez m'aider, hein? Quand Pompon va arriver, on va tous se... Oh, attention! Attention, il revient! Ah! Ça fait du bien, quelques exercices. J'ai un dos tout neuf. Ah, non. Ah non, papa, tu ne vas pas recommencer avec cette porte de malheur. Tut, papa. Les Pompignons et moi, nous allons te faire une petite démonstration. Oui, oui. Une petite démonstration de quoi, mon petit papa? Papa, les Pompignons vont te montrer que mon invention, elle fonctionne. Tu vas voir. Oui. Elle est bien bonne, celle-là, mon petit papa. Non, je ne voudrais surtout pas te froisser, là, mais... je pense que ton invention... Quoi, mon invention? Eh bien, ton invention, elle ne fonctionne pas. Ah oui! Eh bien, c'est ce que tu vas voir, papa. Les Pompinous, est-ce qu'on montre à Pompon que mon invention fonctionne? Oui! Levez-vous! Mettez-vous très debout bien. Derrière la porte. Attendez mon signal avant de passer. Alors, les Pompinous, en quoi est-ce qu'on va se transformer? En éléphant. On va se transformer en éléphant. Nous. Alors, allez-y, les Pompinous! Vas-y, Rachel. Oh. Vas-y, Rachel. Deux éléphants! Oh, là, là. Et un Théo
beaux éléphants. Oh là là. Tu vois, papa, tu as quatre beaux petits éléphants qui vont retourner s'asseoir. Venez vous asseoir. Venez vous asseoir. Oui, on se rassoit. Rachel, tu te rassois. Mais c'est fantastique. C'est extraordinaire. C'est mirobolant. Mais mon petit papa, ton invention est formidable. Et toi, tu es le plus grand des génies, des cornichons. Merci, merci beaucoup, papa. Non, non, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Monsieur, 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 vraiment. Je sais que papa me joue un tour, mais je vais lui en jouer un moi aussi. Regarde bien. Ah, papa, papa, je suis tellement impressionné par ton invention là que j'ai envie de l'essayer une autre fois. Ah oui, papa, mais papa, tu n'as pas peur que... Que... Eh bien, je veux dire que... Hein, tu n'as pas peur de rester coincé? Mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, mon petit papa. Regarde-moi bien. Je vais me transformer, n'est-ce pas, en deux animaux différents. En deux animaux? Les pompignons, croyez-vous que c'est possible, ça? Mais oui, mais oui, mais oui, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Oui, oui, oui. Je vais me transformer, tu sais, mon petit papa, je vais me transformer en canard et un chien. En canard et en chien? Croyez-vous que c'est possible, ça, de se transformer en canard et en chien? Oui. Oui? Ça sent bien, mon petit papa, ça sera pas long. Oh, moi, je suis pas certain, moi, je crois que c'est pas possible. Attention, me voilà. Vas-y, papa. Bravo, on l'applaudit les papillons, hein. Bravo, bravo. Oh, papa, 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 tu es très, très, très habile. Il... Quoi? C'est des mains. C'est... Ah, c'est quoi? Peut-être, Roxane. Moi, j'ai vu un vrai canard et un vrai chien. On entendait les sons et tout ça. Mais oui, papa, c'est très fort. Comment tu as fait, papa? Mais Roxane, mais oui, mais regarde, c'est facile. C'est facile. Il n'y a pas de limite à son imagination. Tu vois, papa? Notre invité qui arrive. Alors vite, faut se préparer. Ah oui, mais il faut se préparer. Attends, il faut que nos petits éléphants repassent par la porte pour qu'ils redeviennent des pompiers. Ah oui. Allez, mes petits éléphants, on repasse par la porte. Ah oui, on a une pompinette. Et une autre pompinette. Et une autre pompinette. Oui, et un pompinotéo. Bravo. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, moi la puce que j'ai dans le dos pour que je puisse bien écouter la chanson de notre invité. Oh. Oh, mes pompignons, maintenant nous allons entendre une chanson fantastique, oui. Ah, c'est une chanson qui s'appelle « La légende du capitaine Léo ». Oui, oui, et c'est une chanson formidable parce qu'elle nous fait entendre une grande musique, oui, 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 qui a été écrite par un grand, grand compositeur qui s'appelle Monsieur Smetana. Oh, et qu'est-ce qu'elle raconte, sa chanson, papa? Ah, papa, papa, elle raconte la seule légende, la seule grande histoire d'un capitaine qui vogue sur le dos d'une baleine. Oui, son bateau, il est sur le dos de la baleine. Ah oui, et puis, papa, elle est chantée par notre grand ami, le... Le capitaine Léo en personne, qui est venu la chanter pour nous aujourd'hui. Et lui, c'est un grand capitaine qui a voyagé sur toutes les mers du monde entier. Oui. Alors, les pompinos, on applaudit bien, bien fort le capitaine Léo! Bravo! Son dos, elle a pris un temps. Ohé, oh, ohé. Puis ce jour, je vogue sur l'eau. Ohé, oh, sur la seule baleine qui porte un bateau sur son dos. Si vous ne croyez pas non, nous soyons matelots, demandez aux baleines qui est.
papa, quelle histoire on lit aujourd'hui? Eh bien, mon petit papin, celle-là. Oh, c'est une histoire de quoi? Eh bien, ouvre le livre et tu verras. Alors, mes chers amis, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire extraordinaire qui se passe la nuit. Oui, et qui raconte comment une souris a sauvé la vie d'un chat. Hein? Mais papa, attends, là, une souris et un chat, les Pompinous, est-ce que c'est des amis? Non. Mais non, papa, c'est pas des amis. Mais non, mais attention, la souris de mon histoire, là, elle a compris une chose très importante, c'est qu'en cas de danger, il vaut mieux vivre en harmonie, même avec ses ennemis. Ah, oui. Mais papa, est-ce que c'est une histoire qui va nous faire peur? Ne rassure-toi et rassurez-vous, les Pompinous. C'est une histoire qui se termine très bien. Ah, bon. Papa, oui? Tu sais, moi, j'aime beaucoup les souris. Alors, est-ce que je pourrais être la souris de ton histoire? Mais bien sûr, mon petit papa, bien sûr. Bon, alors, on commence. Oui. C'était il y a très, très, très longtemps, dans une forêt magnifique où il y avait un arbre gigantesque. Un arbre que tous les chasseurs connaissaient et où ils aimaient bien tendre leur filet. Alors, un arbre si grand, si gros, que 4 animaux différents l'avaient choisi comme maison. Alors, tout en haut, dans les branches, il y avait le hibou, que l'on voit en ce moment. Et puis un peu plus bas, dans le creux de l'arbre, il y avait la belette. Et beaucoup, beaucoup plus bas, au pied de l'arbre, il y avait le chat. Et enfin, encore plus bas, c'est-à-dire dans la terre, il y avait la souris qui s'était creusé un petit trou. Alors, une nuit, les chasseurs arrivent et installent un filet dans l'arbre. Aussitôt, malheur! Le chat s'y prend les pattes, puis le museau, et finalement devient prisonnier du filet. Alors la souris, réveillée par le bruit, sort son nez du trou pour voir ce qui se passe. Comme le chat sauvage est son pire ennemi, eh bien elle est bien débarrassée. Alors mon gros chat, te voilà bien pris, hein? Ah, je vais être débarrassé de toi. La souris rigole encore quand tout à coup, elle aperçoit les yeux menaçants du hibou, prêt à lui sauter dessus et à la manger. Alors, morte de peur, la souris cherche partout des yeux un endroit pour se cacher. Quand tout à coup, qu'est-ce qu'elle voit? La belette! Eh oui, la belette juste à côté, qui menace de la manger elle aussi. Oh là 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 là! Oui. Mais là là là, les Pompinous, moi, la souris, je ne pourrai jamais sortir d'ici parce que tous les autres animaux, ils vont vouloir me manger. Aïe, aïe, aïe! La souris réfléchit, puis elle a une idée. Ah oui, je me dis que si j'aide le chat à sortir de son filet, eh bien peut-être qu'il va pouvoir me protéger contre les autres animaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, hein? Ouais, il va me protéger. Oui. Alors, la souris approche doucement du chat. Chat, je voudrais t'offrir mon aide, chat. Miaou, oui, s'étonne le chat. Oui, écoute, chat, je te propose un marché. Moi, je vais ronger le filet qui te retient prisonnier, et toi, tu vas me prisonnier. Non, tu vas me protéger du hibou et de la belette qui veulent me manger. Je suis d'accord, dit le chat. Tu as besoin de ta vie et moi de la mienne. Bon, alors n'aie pas peur, tu peux t'approcher de moi. Alors, la souris avance à petits pas. Jusqu'au chat, qui aussitôt lui fait un gros câlin et la serre tendrement sur son cœur. Alors le hibou et la belette n'en croient pas leurs yeux. Un chat qui embrasse une souris, dit la belette. On aura tout vu. Oh non, allons chasser ailleurs, dit le hibou. Et ils partent tous les deux. Et la vie de la souris est sauvée. Contente, alors elle continue à ronger doucement le filet du chat. Mais plus la nuit avance et moins elle grignote, le chat se plaint. Mais dis-moi la souris, maintenant que tu es sauvée, hein, tu n'as pas l'air très très pressée de me libérer. Veux-tu que je me fasse attraper par les chasseurs? Non, c'est pas ça du tout, mon chat. Non, si je prends mon temps pour grignoter tes liens, c'est que j'ai peur que, une fois que tu seras libérée, tu vas en profiter pour me manger. Alors je prends mon temps, mais je tiendrai ma parole, c'est promis. Et la nuit passe, puis lentement le jour se lève. Tout à coup,
la souris aperçoit le chasseur arriver au loin. Alors vite, elle redouble d'ardeur et se met à ronger le filet jusqu'à ce que le chat se libère. En un éclair et sans même prendre le temps de la remercier, le chat saute dans les branches et disparaît dans l'arbre. Mais papa, qu'est-ce qui arrive à la souris? Qu'est-ce qui lui arrive à la souris? La souris? Eh bien, encore plus vite, la souris s'est sauvée dans son trou et elle a vu le chasseur prendre son filet. Eh bien, trop tard pour lui, car il a trouvé son filet vide et tout déchiré. Et c'est ainsi que grâce à l'entraide d'un chat et une souris, qui étaient d'abord, n'est-ce pas, des ennemis, eh bien, ont pu tranquillement continuer à vivre chacun leur vie. Et c'est ainsi que mon histoire se finit. Montrez-moi vos muscles! Montrez-moi vos muscles! Ah oui, on a des beaux gros muscles! Ah oui, ah les Popinots, vous êtes très très forts. Vous allez pouvoir m'aider à chanter papa, la chanson. Papa, qu'est-ce que tu fais? Je croyais que tu chantais une chanson. Mais papa, justement, les Popinots, ils me montrent leurs muscles. Parce qu'ils vont m'aider à mimer la chanson d'Hercule. Oh oui, Hercule, le somnambule. C'est ça. Mais oui, mais je la connais cette chanson-là. Tu la connais? Mais oui. Ah, mais tu sais, papa, Hercule, il était très très fort. Oui, très mais fort. Mais il était somnambule. Eh oui. Allons-y. Oui, alors on la chante. Oui, on la Maestro, chante. Maestro, musique. Allons-y, Popinots. On y va. Il avance à pas de chat et recule qu'un quart. Il enfile sa paire de skis et danse le spaghetti. Et il tourne comme ci, puis il tourne comme ça et fonce tout droit dans les ananas. Il est grand, il est fort. Et la nuit, quand tout le monde dort, Hercule est somnambule. Oui, Hercule est somnambule. Il verse du lait dans ses souliers. Oh! Mange du papier pour déjeuner. Blah! Sort dehors en pyjama. Et patine sur son matelas. Puis il tourne comme ci, puis il tourne comme ça, et fonce tout droit dans les ananas. Oh! Il est grand, il est fort. Mais la nuit, quand tout le monde dort, Hercule est somnambule. Oui, Hercule est somnambule. Et si vous le voyez, faut pas le réveiller, car Hercule est somnambule. Oui, Hercule est somnambule. Oh. Qu'est-ce qui arrive à Pompon, Roxane? Oh non! C'est ça! Il est devenu somnambule pour vrai, les Popinots, c'est ça! Vrai! Un vrai petit somnambule qui retourne dans son lit faire un tout petit roupillon. Oh, mais les Popinots, mais c'est épouvantable! T'as une idée? Parce que... Ah non, mais attendez, parce que là, on a besoin de Pompon pour conduire le camion. Il faut le réveiller. Ah non! Il ne faut pas me réveiller. Il ne faut jamais réveiller un somnambule. C'est vrai, ça. Qu'est-ce qu'on va faire, les Popinots? Dites-le! On va passer par la porte, c'est ça, Roxane? On devient des lutins. Oh, c'est une bonne idée. Venez. Allez, parfait. Vas-y, passe. On devient des lutins. On va dans le rêve de Pompon. Viens, Rachel. Ah oui. Maintenant qu'on est devenu des lutins, c'est une bonne idée. Maintenant qu'on est devenu des lutins, on peut réveiller Pompon. Allez-y. Les Popinots. Attendez. Mais j'ai fait un rêve. Ah oui. Mais non, Pompon, c'était pas un rêve. C'était nous. Hein, les Popinots, on faisait des lutins. Oh, papa, il fallait absolument qu'on te réveille parce que c'est l'heure du tour de camion. Le tour de camion, mais tu as raison. Alors, Capitaine Léo, les casques, s'il te plaît, c'est un départ. Venez, les Popinots.
Pompidou, Pimpin, Pompon. Allez hop, Pompidou, Pimpin, Pompon. Allez hop, 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 tout le monde dans le camion. Allez hop, allez hop, tout le monde dans le camion. Le temps de crier Pimpin et nous serons rendus. Le temps de crier Pimpin et nous serons revenus pour une autre émission de Pimpin. Est-ce qu'on envoie des bisous? On envoie des bisous. Au revoir les Pimpin. Au revoir Pimpin. Au revoir les Pimpin. On vous aime, on vous aime. Pimpin, pimpin, sirène de